Yop les amis, c'est nous Printy, on se retrouve pour le troisième jour du Johto Classic. Troisième jour les amis, c'est le troisième match du jour. Je viens de perdre mes deux premiers matchs, c'est pas grave les amis. Let's go pour l'aventure, Cisaiox, Ronflex, Maconier, Anulgard sûrement, Dynamo Poil, Lame de Rock, Suicune, Ectoplasma et le Vénard. De mon côté, toujours les mêmes bien évidemment, parce qu'on ne peut pas changer durant la compétition. Mentalis, Cisaiox, Elector, Crustabri, Suicune et Scorplane. J'espère que vous êtes chauds les amis pour ce troisième match. Enfin, moi c'est mon troisième match, j'en ai perdu deux. Hier j'ai fait les 15 matchs, 8 défaites, 7 victoires. Mais grâce au premier jour, en fait, j'ai accumulé tellement de victoires que je suis toujours dans le positif. Enfin bref, que faire. On va prendre Elector. Oh, le Maconior Anulgard, il me rend mal, il me rend très très mal. Je sais pas quoi faire là. Elector, il pourrait faire mal à pas mal de Pokémon, oui. Et on va prendre Ronflex. Cisaiox pour Ronflex, excusez-moi. Il pourrait servir aussi contre le Vénard, notamment. Surpuissance. Mentali pourrait bien servir aussi. Et contre Ectoplasma et contre Maconier. Choc Psy, ma gueule. Let's go, les amis, c'est parti. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le troisième match du troisième jour, troisième et dernier jour de Johto Classic. J'espère que vous avez apprécié les deux premiers jours face à Will. Let's go, les amis. Franchement, je vais vous dire un truc. Je suis pas mécontent de mes performances durant ce Johto Classic. Attendez, il y a encore le troisième jour, vous allez me dire, mais... je suis pas... D'une manière générale, je pensais vraiment perdre beaucoup plus de matchs. Du coup, je suis assez fier de moi. Ok, lui... en fait, j'ai envie de taper Tonnerre pour voir ce que ça fait. Parce que je sais qu'il est très très bon en défense spéciale, il y a une défense spéciale de malade, mais... La dernière fois, je crois que je l'avais fait à pas mal de dégâts, il me semble. Ou alors c'était hors vidéo, je sais plus. Bon, on va quand même taper la demi-tour, on va ramener Cisaiox. On va jouer, genre, safe. Demi-tour, vaut mieux. Allez, dans l'œuf. Normalement, là, l'œuf, il est pété en deux, hein, je vous dis clairement. Hein. Normalement, là, c'est une omelette, les gars, sur le terrain. Mais bon, Game Freak ne fait pas les choses correctement, c'est pas grave, c'est bien connu. Cisaiox, go. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis, là? Frappe Atlas? C'est chiant, Frappe Atlas. Hein. Non, c'était hors vidéo, je me rappelle. C'est chiant, Frappe Atlas. Je suis tombé contre le Vénard hier. C'est très chiant. Ça enlève 50 PV, wesh. Parce que les Pokémon sont au niveau 50. C'est-à-dire, là, il sera 95 PV, après il sera 45, après il meurt. En 3 frappes Atlas, c'est terminé. Là, il va anticiper, vous croyez, le surpuissance. Dans tous les cas, je vais quand même taper la Dance Lame. Parce qu'il faut se booster. J'aurais tellement dû faire surpuissance. C'est pas grave, il n'y a aucun souci. À mon avis, c'est pas tous les Cisaiox qui se jouent avec cette attaque. Peut-être qu'il se dit que je l'ai pas. Allez, frappes Atlas. Pour vous montrer que c'est vraiment un dégât fixe à 50 PV. Parce que les Pokémon sont au niveau 50. Enfin, je sais plus s'il prend en compte le niveau de lui ou de moi. Enfin, si par exemple j'étais au niveau 100, est-ce qu'il m'enlèverait 100 PV ou toujours 50 parce que lui est au niveau 50? Bref, surpuissance, on arrête de discuter. Allez, salut. Oh, pourquoi j'ai pas tapé la surpuissance avant? C'est pas grave, celui-là qui arrive, il va la manger. Oh, bah Ronflex va la manger, clairement. Alors, il va mourir normalement, à moins qu'il ait... De toute façon, s'il a la ceinture force, au pire, piste au point dans son gros bide. Ok, il a pas la ceinture force, c'est parfait. C'est parfait. Tu Ronflex. S'il ramène pas le Vénard, je fais demi-tour. S'il ramène pas le Vénard, je fais demi-tour. Il faut conserver Cisaiox pour le Vénard. Ok, Suicune. Vous croyez qu'il va faire la Zerglas ou Ébullition? En vrai, là, j'ai ce qu'il faut pour gagner. J'ai vraiment ce qu'il faut pour gagner. C'est-à-dire que Elector est là pour le péter en deux, au pire j'ai Mentali derrière. On va prendre Elector, on va prendre Elector. On va voir ce qu'il est capable de faire face à Suicune. Enfin, surtout s'il est capable de tanker un éventuel laser glace ou une ébullition, voyons voir. Normalement il est capable de tanker les deux. Waouh, c'est vrai qu'il a mis les pièges de rock. Bon, c'est un petit peu chiant, ébullition. Ok, normalement il me tue pas. Voilà, il me brûle pas. On s'en fout, ça divise l'attaque, pas l'attaque spé, on s'en bat les steaks. Les PV par contre c'est chiant. Et là on tape le tonnerre. Vous croyez qu'il va ramener le Vénard? C'est possible, hein. Au pire, on le paralyse, le Vénard. Ok, il ramène le Vénard, c'est pas grave. Je vais lui faire deux tonnerres. Ah, ça me gêne un peu, ça me gêne pas mal même. Les dégâts sont pas ridicules, c'est un crit, d'accord. Est-ce que Suicune peut gérer le Mentali facilement? Non, clairement pas. Clairement pas, du coup on va refaire tonnerre. En espérant le paralyser, ça serait pas mal. Mais après, il a une attaque, je crois, qui fait que la paralysie peut s'enlever. Bon, là, il va me tuer.
Ok. Mange, 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 mange le statique. Mange le statique, le vénard. Ok, là, je réfléchis. Je réfléchis vraiment. Mentali ou Cisaiox? Mentali ou Cisaiox? Mentali ou Cisaiox? Normalement, là, je ramène Cisaiox. Je ramène Cisaiox. Je fais Dance Slam. Parce que là, il va switcher sur Suicune. Et je pète le Suicune avec Pistol Point. Bon, on va faire Dance Slam. Mais après, non. Ou alors je fais demi-tour. Parce que là, on est d'accord, il va pas rester avec le Vénard. Il aurait tellement dû attaquer et faire frappe Atlas. Sans manger la Parax, bien évidemment. Ok, du coup. On se booste avec Dance Slam. Mais attendez, je réfléchis. Ébullition, ça peut faire mal. En plus, ça peut brûler. Là, je fais quoi? Surpuissance ou pistol point? Pistol point. Il avait ébullition. Ça ne veut pas dire que c'est un Suicune défensif. Pistol point, allez, c'est pas grave. On tape. Ça va être tendu pour gagner, les gars. Ça va être très tendu. Hein. Ça mentalise de gérer les deux. Étant donné que j'ai le mouchoir choix, je suis loqué sur une attaque. J'ai envie de faire nœud d'herbe pour tuer le Suicune, mais après, je serai contraint à faire nœud d'herbe sur le Vénard. Le Vénard n'est pas forcément léger. Du coup, c'est peut-être pas mauvais, en fait. Mais après, là, j'ai peur que le Suicune attaque avant et qu'il me fasse de gros dégâts. Ah non, il m'attaque pas avant. Quoi que... Enfin, si, il m'attaque avant, mais après, j'ai les lunettes choix qui vont me permettre de le tuer, je pense. Choc psy ou éclat. Non, éclat magique, on oublie. Soit choc psy, soit nœud d'herbe. Allez, nœud d'herbe. Allez, c'est mon choix. Est-ce qu'avec nœud d'herbe, on va pouvoir gagner ce match? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. J'en sais vraiment, vraiment, vraiment rien. On met KO le Suicune, déjà. Le Levenard est paralysé. Le Levenard est paralysé. Du coup, on va attaquer avant. J'ai quand même les lunettes choix. 50% d'attaque spé en plus. Ah mais oui, il est plus paralysé parce qu'il a le talent, je sais pas quoi là, c'est ça? Medic Nature ou je sais pas quoi? Ou alors je dis n'importe quoi. Medic Nature, c'est qui l'a? Staros, non? Staros, je crois. Est-ce que le Vénard là? Enfin, je crois que Medic Nature a cet effet-là. Quand on switch, il a plus le statut. Je crois, je suis pas sûr de ce que je dis en fait. De toute façon, là, je suis loqué sur nœud d'herbe. Faudrait le tuer. Il va faire soin. Alors là, c'est bien fait pour ta gueule, ça. Alors là, c'est bien fait pour ta gueule. Alors là, c'est bien fait. C'est trop bien, ça. Ça, c'est trop bien. Ça m'est arrivé hier aussi avec quelqu'un qui voulait me faire une cage d'éclair. Du coup, je lui ai renvoyé. Et normalement, là, le poison plus nœud d'herbe. Après, est-ce que vous croyez... Il doit avoir aromathérapie, soins, tout le tralala, quoi. Toutes les attaques chiantes. Est-ce que là, ça le tue, nœud d'herbe? Non. Oh non. Regardez. Regardez à... Je passe à ça de la victoire. Mais est-ce qu'il peut s'enlever son poison? Telle est la question. Telle est la question. Il va faire frappe Atlas, je pense. Faudrait faire un crit. Il fait quoi? De toute façon, il y aura le poison. Mais je me demande s'il peut se l'enlever, en fait. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, il attend d'être bien boosté, mais en attendant, il y a le poison qui va faire effet. Il attend d'être bien boosté pour pouvoir placer ses deux frappes Atlas tranquillement, en fait. Nous, on fait du nœud d'herbe, on tape, on n'a pas le choix. De toute façon, les gars, là, c'est vraiment du qui tout double. Là, c'est du qui tout double. Je ne sais pas qui c'est qui a l'avantage, là. Clairement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que... On peut en tenir que deux, hein. Encore une, et c'est fini. Le poison, là, à mon avis, faudrait le tuer, purée. Allez, s'il te plaît, mentalien un crit, please, mon garçon. Please, mon garçon. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Mais non, j'en ai marre. Là, il suffit juste qu'il refasse une fois. Oh non. Le poison, les dégâts du poison, les dégâts du poison. Bien, le poison, bien. Là, il faudrait qu'il refasse le coq, en fait, je pense. Très tendu, très, 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 très tendu. Oh lolo lolo lolo, ce match! Allez, tue-le, tue-le, tue-le! Mais tue-le, j'en ai marre! Là, normalement, le poison le tue. Et nous, on meurt pas. Il croit qu'il me reste moins de 50 PV? Mais non! Il m'a resté 73, garçon! Salut, Chauncey! Ciao, Chauncey! On a gagné, les gars! Franchement,
C'était chaud, c'était extrêmement chaud. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fait deux matchs avant de faire celui-ci. C'est le troisième de la journée. Et du coup, ça me fait pour le moment deux défaites, une victoire. Et du coup, dans cette vidéo, ça me fait une victoire sur un match. C'est parti pour le deuxième match de la vidéo. Alors, on enregistre, non, sur la vidéo. On perd toute trace, c'est pas grave. On perd pas toute trace puisque je stream monsieur 3DS, enfin monsieur Pokémon Saphir Alpha ou j'en sais rien. On continue, on continue. Oh, c'était chaud, hein, c'était vraiment chaud. Rang 1559, combat disputé 33, victoire 19, défaite 14. C'est-à-dire que la première journée, on avait fait 4 défaites, et encore non, 3 défaites, comme je vous l'ai dit, il y avait un combat qui s'était pas lancé, et 11 victoires. Ok, Kangourex, Florizarre, Dracaufeu, Roucarnage. Oh non, l'eau classe, pas l'eau classe. Ils ont glaciation. Ce qui m'énerve dans ce tournoi, c'est juste qu'en fait, c'est des 3v3, c'est très très expéditif. Et les Pokémon ont le droit d'utiliser des Pokémon, des attaques qui ont HKO. Glaciation, Palkorn, Abîme, Guillotine. C'est vraiment dommage, je trouve. On va prendre Elector, qui pourrait faire mal et à Roucarnage, et à l'eau classe d'entrée, et à Dracaufeu, et à Florizarre. Mais Ectoplasme, Kangourex, il prendrait cher aussi sur Tonnerre, il prendrait pas mal. On va prendre Mentali qui pourrait bien servir. Et plutôt Scorplane. Plutôt Scorplane, ouais. Plutôt Scorplane deux fois qu'une. Plutôt Scorplane deux fois qu'une. C'est quoi l'expression? Mieux vaut une fois que deux fois qu'une ou je sais pas quoi. Ben bref. Enfin bref. C'est pas grave. On connaît pas l'expression, on va pas se faire chier avec. Shadow veut se battre, c'est parti. Allez, Rangoshkun! Il n'y a pas de méga qui tienne. Il y a du Kuba dans l'air, possiblement. Il y a du point boost et tout le tralala. Allez, tonnerre, on tape. Bluff, il y a du bluff aussi dans l'air. Ok, cette fois-ci, le... Oh, putain, mais... Comme par hasard, faut qu'il fasse un crit, c'est dingue! Allez, tonnerre! Il aurait pas pu être paralysé aussi, sinon, sur le... Sur bluff, parce qu'il y a statique. Ok, il se booste. Pas de problème. Et si on a le. Si on a un petit roll, on peut le tuer là. Si on a un petit roll, on peut le tuer. C'est possible. Ah oh, oui, en tout cas, il y a la paralysie, les gars. La parax derrière. Oh oui. Oh oui. Oh, j'ai vraiment de la chance. Allez, il va faire Kuba, bien évidemment. C'était une évidence. Il fait mal, hein. Allez, tonnerre. Ok. Je suis sûr, regardez bien, je suis sûr qu'il a derrière Florizarre et Dracaufeu. Je sais pas pourquoi. Je sens bien ces deux-là. Je sens bien ces deux-là. Regardez, Florizarre ou Dracaufeu, il va me ramener. Florizarre, il va me ramener là. Ah non, même pas Ectoplasma. Ok, j'ai rien dit. Il n'est pas plus rapide que moi, étant donné que je suis mouchoir choix. Je le dépasse, je vous l'assure à 100%. Ça peut one-shot. Possible. Ok, très bien. Par contre, ce qui me gêne, c'est que... Bon, là, il me tue. Derrière, j'ai qui? Attendez. J'ai Scorplane. J'ai choisi qui? Mentali. On va plutôt ramener Scorplane, là, parce que Mentali va se faire démonter par Ectoplasma, en vrai. Mentali pourrait le démonter avec Shock Psy, mais il est plus lent. On va le saboter, hein. On le sabote, tout simplement. Il va attaquer. Ne switch pas, ne switch pas. Please, please. C'est fatigant, c'est fatigant. Ça va tuer sabotage, je crois. Oh là là, du coup, il met KO mon Scorplane. Fuck, 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 fuck. Et du coup, ça va jouer Mentali contre je sais pas qui. T'as pourvu que ce soit Florizarre. Pourvu que ce soit Florizarre, s'il vous plaît, mon Dieu. Pourvu que ce soit. Ou Loclasse. Florizarre ou Loclasse. Please. Ah, oh, c'est Loclasse. Tant mieux. Tant mieux, on va partir sur du nœud d'herbe des familles, les gars. Il va rien comprendre, la poisse. La poisse, la poisse. T'as la poisse surtout, ouais, d'être tombé contre Mentali, nœud d'herbe. Allez, achevons-le. Allez, salut. Oh, il tient bien. On va tanker lyophilisation, oui, on tient. Voilà. C'est bien, les dégâts sont pas ouf. Très bien. Achevons-le avec nœud d'herbe. Du coup, c'est la victoire, les amis, avec la glace. Oui, si tu veux. Allez, quelques dégâts en plus. Si tu veux, Loclas, y'a aucun souci. Achève-le! Et c'est la victoire, les amis, c'est la victoire.
2 matchs, 2 victoires, 0 défaite. Durant cette vidéo, du moins. Ça fait plaisir de vous montrer des victoires parce que souvent, hein, il arrive que j'enchaîne pas mal de victoires hors vidéo. Et là, ça fait plaisir. Je suis sûr que ça va faire comme hier et avant-hier. 2 victoires et une défaite. Faudrait pas que je perde. J'aimerais bien faire 3 victoires d'affilée. Du coup, dernier match de la vidéo, les amis. Après, je continuerai. Dans la description, je vous mettrai le ratio. Mais possible qu'il arrive demain, vu que la vidéo va sortir tard ce soir. On n'enregistre pas, non. Allez, on continue à combattre. Let's go. En fait, là, on est dimanche soir. Je sais pas si je mets la vidéo ce soir, du coup, ou demain. Si elle sort ce soir, ce sera aux alentours de 23h, je pense. Hein, ça se trouve, elle sera sortie avant ou après, je ne sais pas. Bref, on verra bien, allez. On verra bien. Ok, Mentally, Azumarill, Draco, Lost, Tyranocif, Cizayox, Florizarre. Alors, Elector pourrait faire mal à Cizayox, à Florizarre, à Dracolos, à Tyranocif, à Mentally et à Azumarill. Ok, avec des demi-tours, Tonnerre ou Canicule. Ok, parfait, Elector en first. Cizayox, on va prendre, qui pourrait faire mal et à Azumarill et à Tyranocif. Même à Mentally aussi. Et en troisième, je vois bien Crustabri. Let's go les amis, c'est parti. Let's go, let's go, let's go. Du coup, dernier match les amis de ce troisième jour en vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 3 jours du Johto Classic. Si jamais il y a le ON Classic, parce qu'il y a eu le Kanto Classic il y a quelques mois. Là, il y a le Johto Classic. Jamais il y a le ON Classic à l'avenir, je le ferai. C'est dommage, je ne savais pas qu'il y avait le Kanto Classic à l'époque, sinon je l'aurais fait, hein. Au même titre que le, bah, que le Johto Classic, là, maintenant. Mais s'il y a le ON Classic dans quelques mois, ce sera avec plaisir. C'est possible, je pense qu'il y aura le ON Classic, le Sinnoh Classic, ainsi que le Unis Classic. Et pourquoi pas le Kalos Classic avant la sortie de Soleil et Lune. Ce serait vraiment pas mal du tout. C'est parti face à Andrew. J'ai pas vu son rang, par contre. Je sais pas si vous avez checké. Je sais pas si il est élevé ou pas. Enfin, bah, bref, ça change rien, de toute façon. On va gagner. Hein, qu'on va gagner, les gars. Hein, qu'on va gagner. Bien sûr qu'on va win. Dragonite. En général, les Dragonite, je les ai toujours de la même manière. Ils placent toujours leur danse Draco. Je sais pas pourquoi. Ils attaquent pas directement. Là, je vais attaquer avant. Je vais faire un PC Glace. Ça va pas le tuer parce que multi-écaille. Y'a aucun souci. 40% de sa vie. Voilà. Là, il va faire danse Draco. Ah, il est pas comme les autres, celui-là. Il est pas comme les autres, celui-là. Ce qui tue. Ok, c'était la technique que les autres devaient faire. En fait, d'habitude, vu que multi-écaille réduit, je le tue pas. Derrière, il faisait dans le Draco. Il était boosté en vitesse, mais ça changeait rien. J'étais quand même plus rapide, mouchoir choix. Je vais derrière avec la PC Glace. Là, par contre, j'hésite beaucoup. J'hésite même pas à stalactite. Go. Il switch pas, c'est pas grave. Ok, j'ai bien fait. On résiste à un PV. Oh, 13 PV. Bon, la ceinture force n'est pas efficace. Elle sert à rien du coup. Oh lolo lolo. Ok, c'est un crit, mais bon, tout de même. Il a pris sacrément cher. Tellement envie de placer mon exuviation, mais j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. J'avais pas le temps. J'aurais peut-être dû le faire. Et d'ailleurs, j'aurais réattaqué. Je suis plus rapide que lui, je pense, hein, stalactite. D'accord. D'accord, j'aurais tellement dû faire avec la glace pour lui enlever un petit peu de vie. C'est pas grave, y'a aucun problème. Chaud, chaud quand même là. Enfin, j'ai aucun problème, mais... Là, je vais faire dans slam demi-tour. Je vais faire dans slam demi-tour. Enfin, s'il est plus rapide, je fais pisto point. En fait, voilà. C'est-à-dire, faut que je vois c'est qui est son troisième Pokémon. Azumarill. Mais Azumarill, pourquoi? Mais normalement... Mais j'ai gagné le match, les amis. Là, je vous le dis clairement, j'ai gagné le match. J'ai gagné. C'est terminé pour l'adversaire. C'est terminé pour l'adversaire. C'est fini. D'accord, ça tue pas. Ça tue pas. J'aurais vraiment pensé que ça tuait. Hein. Je suis un peu surpris, là. Aqua Jet, ok. On résiste tranquillement. Enfin, tranquillement... On résiste. Par contre, j'ai une question. Répondez-moi sur le chat, s'il vous plaît. je fais piste au point ou demi-tour sur le Mentally?
Je sais que demi-tour l'achève là, c'est obligé. Mais j'ai peur qu'il soit plus rapide que moi. Piste au point. Piste au point. Faut jouer safe. Piste au point. Ça va faire mal. Ok. C'est la win. 3 matchs, 3 victoires, les gars. Olé, 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 olé. 3 matchs, 3 victoires. Je suis vraiment très, très, très content de ma prestation, les amis. Franchement, très, très satisfait de ces 3 victoires. Ça fait plaisir. Ça fait très, très plaisir. Est-ce que je le mérite? Dites-le-moi. N'hésitez pas, les amis, à laisser un pouce bleu si vous avez kiffé ces 3 matchs. On n'enregistre pas, non. Ok, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Donc les amis, c'était le Joto classique. Je vais vous dire dans la description le ratio. J'espère que vous avez apprécié ces 3 journées. C'était vraiment très très fun, je trouve. Il y avait pas mal de suspense. Voilà, j'ai pas forcément toujours gagné, j'ai pas forcément perdu. Il y avait des bons Pokémon en face, il y a eu des anticipations, des suranticipations. On a perdu des Pokémon bêtement, il y avait du Axe, il y avait plein de choses, je trouve. Notamment, je me rappelle, hier, c'était la Paraxe sur 3 Pokémon grâce à Static, enfin, c'est n'importe quoi. Vous continuez à combattre? Non, je vais combattre hors vidéo. Enfin bref, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.